Bonjour à tous et bienvenue pour ce 16e jour de ce challenge, démarré début avril par raison d'une toile par jour pendant un mois. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui au bord de la rivière, tout simplement pour vous présenter une toile qui s'appelle La Source. Et donc il me tenait à cœur de vous la présenter au bord de l'eau, puisque le thème du jour c'est La Source. Donc l'eau, la source de vie. C'est une toile que j'ai démarrée en 2021, en mars 2021. Elle fait 50 cm de large sur 60 cm de hauteur. C'est une toile de taille moyenne. Elle représente une cartographie qui montre des sources de nourriture autour d'un fleuve. Et la particularité de ce fleuve, c'est qu'il ressemble à un arbre. Alors ce lac, c'est un lac en fait, qui existe vraiment en Australie et qui a la forme de cet arbre, et on l'appelle l'arbre de vie. Et quand j'ai vu les photos qui représentaient ce lac, qui était tellement belle, je n'ai pas voulu en rester là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, et du coup j'ai réalisé cette toile en pensant à ce lac qui existe vraiment, le lac Kakura. Et j'ai voulu exprimer la richesse que représentait les terres quand il y a de l'eau tout autour. En réalité, c'est un lac qui est entouré d'arbres à thé. Donc la technique que j'ai utilisée est celle des artistes aborigènes dont j'ai déjà parlé sur mes vidéos précédentes, qui consiste à tremper des bâtonnets de bois dans de la peinture pour parsemer la toile entièrement de petits points. Donc c'est une technique qui demande beaucoup de patience, mais bon, ça tombe bien, j'en ai beaucoup. Alors la symbolique de l'arbre, il réunit en lui en fait les quatre éléments. La terre qui va le nourrir, l'eau qui va circuler dans sa sève, l'air et la lumière du soleil qui va alimenter ses feuilles, et le feu que l'on alimente par son bois. Et le message donc de cette toile, c'est sauver l'eau en protégeant les arbres. Donc un hommage à l'arbre de vie du lac Kakura. Merci d'avoir visionné cette nouvelle capsule. Et merci aussi de me laisser un petit pouce et de vous abonner à ma page si vous avez aimé. Toutes mes œuvres sont en vente sur mon site internet. nataliechappert.fr. Je vous dis à demain pour une 17e œuvre. Passez une belle soirée.